Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch, vous êtes à nouveau avec Kenzel et ce soir nous allons jouer à Tower of Fantasy. Alors somme toute, le niveau du personnage ne va pas changer hein, puisqu'ils n'ont pas encore débloqué de level. Si je dis pas de bêtises, le prochain déblocage de level ça sera vendredi. Alors je passe sur mon écran PC, je vous fais un petit coucou à la caméra avant de commencer à blablater. Et bon bah comme d'habitude on va aller sur Discord et on va rejoindre du coup Darksider qui sera avec moi et ma compagne Melo Pulse qui sera avec moi également. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu dans la droite lignée de ce qu'on a fait hier, hein, sur l'event qui est en cours. Pas encore tous nos placards. Et re... Salut, en fait. Salut. Ou salut, selon. Ah, hop. Bon, à noter que par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, j'ai déjà fait mes journées, donc ça, je devrais pas les faire. Les entraînements, ça doit être bon aussi, et les petits trucs à la con sur le côté aussi. Ah, ça me fait penser à un truc, les portes stellaires. Toi, t'en as, Darksider, les portes stellaires. À faire ? Ouais. Attends, je regarde. Ça, là, je suis à chapitre 7. Il me reste des trucs dans le chapitre 6. Non mais dans la map, celles qui apparaissent, les portes violettes qui apparaissent de ton côté. Ah. Exploration interstellaire. Ouais, exploration interstellaire. Non parce que j'y pense vu que tu fais des fois des opérations conjointes, mais pour l'instant c'est pas ouf comme stuff. Si tu fais les portes stellaires avec nous, t'auras déjà des compos un peu plus... Il peut pas les faire librement je pense. Tu penses? Bah écoute, j'ai pas l'impression qu'il y a un minimum de niveau requis là-dessus. Je sais pas. Actuellement, dans les exemples, dans les défis, je peux faire les entraînements, ultime. C'est pas dans les défis, c'est dans... Bah, ah si, défi, non, c'est dans sélectionner. Et à côté d'opération conjointe, tu as épreuve dimensionnelle et après tu as exploration interstellaire. C'est pas une bonne idée. Je peux en faire, mais après je sais pas. Bah, je sais pas si c'est une bonne idée, mais faudrait voir parce qu'il va avoir les compos de nos niveaux, il aura pas les compos intermédiaires, ouais. Donc ça risque de l'handicaper plus qu'autre chose en vrai. Parce que par contre ce que je vois c'est que malgré que exemple j'ai des quêtes tu sais qui me demandent de faire tel truc et tout ça, genre des. Là exemple il me demande de faire des opérations conjointes, tu sais, de bas niveau, tu vois, des ouais. Oh là, actuellement. Sauf que exemple, quand t'as tout à l'heure. Et j'ai essayé de trouver un groupe, il n'y a pas moyen, j'ai l'impression que dans le serveur il n'y a pas beaucoup de bas niveau, non, je pense pas. Et non. Du coup en fait il faudra c'est que je rush en fait les plus gros levels et tout comme ça. Bah, oui, et puis de remettre à jour quoi. Qu'après ouais, voilà que je récupère que du jour. Oui, ça a l'air de tenir la route comme discours. Par contre, on est d'accord que l'événement actuel de la randonnée de Vera, on n'a pas d'objectif de quête répétable en fait. Non. Les Malfrayennes et tout ça, donc on n'a plus de moyens de récupérer des. Tu peux récupérer en faisant en tuant des mobs là. C'est tout. Oui, mais tu récupères pas les unités violettes, là, les espèces de pseudo-mini-cartes, si, c'est la même chose. Tu les obtiens quand tu drops des trucs sur des yens, quand tu fais les échanges pour participer au truc donc global, tu en obtiens. Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est des preuves de contribution. Si. Non, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Attends, je vais juste démontrer un truc. Je vais flinguer une yen, je vais pas avoir de preuves de contribution en plus. Hein. Non, c'est quand tu les rends pour l'objectif global que ça se transforme en preuves de contribution. Ouais. Bah oui, et quand t'en donnes une, regarde bien ce que ça marque. Obtenu, gnagna, preuve de contribution. La Kenzel, si tu veux, alors que j'ai déjà acheté tout ce qui m'intéressait dans la phase 1, ouais. J'ai encore 1246 preuves de contribution. D'accord. Ouais, donc en gros, c'est ratio du farm, quoi. Bah, j'ai presque pas farmé, j'en ai. Ouais, bon, enfin, ouais. Oui, mais à force, je suis développe ton up. Il te faut combien d'XP pour up, là, Dark, par exemple? Quand tu vas dans. Pionnier là, enfin je crois que c'est encore changé de nom, c'est d'ailleurs. Ouais, c'est devenu un nom qui dépasse bien de l'onglet. C'est surtout ça que j'ai retenu. Il faut aller dans quoi, pour illustration, dans voilà. Sac à dos, ouais. Voilà. Ça dépasse les jeux. Là maintenant, donc je suis niveau 35 sur 68. Ouais.
Là, je suis presque 36. Et il te faut combien d'XP par level à peu près? Bah, pas grand chose. Là, il me faut 293 000. Ah, quand même. Bah, non, c'est pas vrai quand même, ça va super vite. Hein. Ouais, c'est vrai, ça va. Non, parce que, enfin, pour les portes stellaires, je m'étais dit, faudrait essayer de voir s'il peut taguer avec nous une porte stellaire en fait. Les portes stellaires, oui, je peux taguer, mais par contre. Je vois pas l'intérêt de l'exploration interstellaire, mais bon, enfin, parce que la récompense va être probablement au ratio de son level. Hein. Je sais pas, c'était une question, justement. Bah, je pense, honnêtement, c'est au ratio de son level. Benza, j'ai un peu regardé, tu sais, les nouveaux persos là qui sont présentés ou présents déjà dans la version CN. Ouais. Les futurs persos qui vont arriver dans la CN. Ouais. Ouais, donc j'avais vu, il y a un perso qui combat en fait qu'au corps à corps et un perso de froid. Oui, c'est Alice. Alice, ouais. Ouais. Et. Actuellement méta. Ouais, donc il y a aussi là le sniper là que tu parlais. Ouais. Annabella, ouais. Annabella, ouais. Ouais, Annabella, ouais. Par contre. De ce que j'ai vu, et ça je sais pas pourquoi, t'as des persos qui sont marqués limités. Oui, c'est lié à des contrats qu'ils ont je avec pense de. Que c'est pas limité simplement aux bannières. Que celles qui sont dans les normales, c'est obligé de marquer des runes, c'est pour la bannière jaune. Non, pas que je sache, mais. Si tu regardes Claudia, tu peux pas l'avoir dans la bannière jaune. Ou pas encore. Pareil pour Frigg, tu peux pas l'avoir dans la bannière jaune. Encore parce qu'elle est passée en bannière, elle est parue dans la bannière temporaire. Après, elle disparaît de la bannière temporaire. Ouais, mais attends, ouais, mais attends, ouais, après, ouais, ouais, mais il parle de la, ouais, c'est ça. Donc dans la chinoise, elle est pas encore passée dans la définitive. Dans la chinoise, je crois qu'il y a que Nemesis qui est apparu en normal. D'accord. Et de ce que j'ai vu, vu que Nemesis, c'est marqué aussi tu as offre limitée. C'est tu l'as que dans la bannière, mais elle, ça a vraiment été dans une bannière. Encore une bannière clairement différente, cette bannière spéciale elle. C'était une bannière rouge normale. Et nous en tout cas. Ouais, mais de ce que j'ai compris en fait c'est c'était une bannière qui était là uniquement pour le début de partie. Enfin, tu sais quand. Le lancement ouais. Un jeu vient d'être lancé. Et je me demande si après on peut encore la retrouver celle-là. Si on l'a passée en bannière normale et tu pourras la choper avec des nucléaires jaunes. Normalement. Si, parce que les gens qui l'ont, par exemple, les gens qui l'ont une étoile, bah ils pourront jamais l'améliorer sinon. Bah, si en faisant les achats. Non. Non, bah non parce que justement, les persos qui sont pas dans les bannières jaunes ne sont pas dans la liste des achats possibles. Et sinon, tu comprends bien que j'aurais déjà augmenté mon arme de Némésite. Hein. Tu vas regarder dans le bazar échange d'armes, tu remarqueras que l'arme de Nemesis n'y est pas, même pas en grisé quoi. Moi je vais plus facile à le voir parce que je l'ai, donc elle devrait être dans la liste, mais elle n'y est pas. Bon, on fait quoi du coup? Je pense qu'aujourd'hui je dois faire mon opération conjointe, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est aujourd'hui qui a ce qu'il faut au niveau de. À ton perso que tu veux. Qui a effectivement la matrice potentiellement que je veux. Enfin, si le jeu veut bien me lâcher. Il a fallu du néant, bah voilà, bah, ça répond un peu à la question bon, au final, s'il y a déjà tout ça. Et puis après, j'ai des portes interstellaires si tu veux. Ah ouais, ça va, bah au pire, je prendrai les potions d'endurance, hein, au pire. Enfin, je rachèterai pas, mais je prendrai celle que j'ai dans mon stock. Ouais, moi j'en ai acheté une tout à l'heure déjà. Mais par contre, tu vois, du coup, j'ai une. Question qui me taraude là. Mmh. Tu sais, j'ai regardé un peu toutes les personnes qu'il y a et qu'il va y avoir. Et quand on voit les bonus que peut apporter de cette arme de Claudia, je sais pas si t'as vu au niveau des ennemis, une fois que tu l'as monté en étoile, les bonus que tu peux avoir. J'ai pas regardé, je t'avoue. Je vais regarder. Ils sont plutôt intéressants en fait. Même pour quand tu joues avec d'autres armes, des armes élémentaires, ça permet de les augmenter en fait. Bon, tu vois, tu dis quand on vole l'épée. Alors, elle fait quoi? Par exemple, 5 étoiles, toucher des cibles avec une compétence standard ou une décharge confère
enfin, ou de décharge confère un bonus de dégâts aux compétences qui accroît de 20% tous les dégâts de compétences d'armes pendant 25 secondes, y compris les autres compétences si, que sur les autres standard. Armes. Confère un bonus aux dégâts de compétences. Ah, on parle pas de la nouvelle en fait, on parle de l'autre. Hein. On parle du perso. Et bon, on parle de. Ouais, mais Claudia, c'est le perso actuel en fait, c'est pas la nouvelle. Ouais, avec la lame de Oui, c'est pas la nouvelle. C'est pas la nouvelle, je veux dire. Ouais, c'est pas ça. Je me rendais compte que j'étais en train de dire la mauvaise arme, c'est tout. C'est qui que toi tu pensais? Bah, je pensais que tu parlais de la nouvelle, celle qui va sortir quoi. Celle qui a déjà été intégrée dans le. Non, ouais, c'est ça. Non, il parle de celle de la bannière actuelle là. Ouais, la question qui se pose. Ouais, c'est la bannière actuelle. Ouais. En 5 étoiles. Et tu vois, du coup, je me suis posé la question, même en tant que arme, juste pour en fait augmenter via les étoiles, en fait, enfin, les effets des étoiles. Exemple, se faire un truc genre Claudia, Ruby et Zéro en build. Alors, Ruby, ouais, je sais que c'est la meilleure en DPS. J'ai vu un gameplay perso et ça va, ça a l'air d'être fun. Ah bon, allez, je vais taguer. Hop. Oh, t'as tagué, j'ai pas vu. Non, je vais taguer. Attends, non, deux secondes, je prends un ticket conjoint quand même. C'est vrai. T'as pas fait non plus. Ouais, effectivement, je vais même en prendre deux direct. Là. Ça sera fait. Si, tiens, ça sera fait. Ça, j'en ai 59 encore. Par contre, je vais peut-être pas pouvoir enchaîner tout de suite parce que. Ah bah si, de toute façon, on prend que le dernier coffre, je suis con. Bon, hop. Alors, celle-ci, du coup, y aller. Approuvé. Oh, on a un tank, ah bah c'est toi. C'est comme exemple le chakram. Ouais, celui de Shiro, ouais. Ouais. Alors, une étoile, son effet est plutôt pas mal pour faire des dégâts élémentaires. Ouais. Je vais en une étoile en plus. À croix de 30% les dégâts de tous les effets de fracture élémentaire. Ouais, tu veux rusher. Tu dis rien, tu rushes. Oh, ouais. Tant qu'à faire, ouais. D'accord, tu te sens plus, ça y est. Ouais, il joue avec, effectivement. Ouais, bah, c'est pas très opti, hein. Il joue Claudia, tout ça bas et je sais pas qui. Hop, bon, ce que là, on y touche pas. Dans les faits, tout ça bas, de ce que je vois, elle a une attaque qui est plutôt rapide, mais elle a aucun passif qui peut aller avec les autres. C'est-à-dire facile. Elle peut pas augmenter en fait les dégâts des autres armes. Non, c'est pas. Une étoile, en gros, quand elle fait son sort, elle obtient un bonus de X%, d'accord? En une étoile. Donc, on fait un nouveau cumul de flèches acérées. Ouais. Et la flèche acérée de mémoire, ça augmente tes dégâts. Ouais, de 5% en 30 secondes. Ouais, mais cumulable. Ouais, et quand tu es en 3 ou 6 étoiles, c'est cumulable genre 4 ou 5 fois. Tu regardes, je sais plus. Et en fait, toute sa base, ce qu'elle fait, c'est. Je crois, quand tu fais. Quand tu maintiens ton clic, elle fait une pluie de flèches sur une zone. Et en gros, tu fais ça pour augmenter et obtenir le cumul. Et ensuite, tu switches sur le personnel de Fridge. Tu claques la zone bleue de Fridge et en fait ça te fait le DPS de toute sa mort plus la zone de Fridge qui augmente tes dégâts de 25%.
Mais si tu veux, Fridge, en 6 étoiles, sa zone bleue, elle dure 20 secondes. Sachant que la recharge du sort, c'est 25. Et la zone, ça, dans la zone en question, tes dégâts de frost, de glace, ont monté de 25% en 6 étoiles. Donc du coup, tu fais ça avec ce que ça va et ça peut être flèche, et ben, tu rocks. Ah, mais la flèche ne fait pas de... ne confère pas de flèche acérée. La petite flèche, c'est... enfin... là, en fait, ça fait des flèches acérées quand tu fais une esquive, quand tu tires une flèche à la suite d'un une esquive, tu sais, l'attaque esquive-tir. Ouais, ouais. Donc en fait, le but, c'est que tu fasses des esquives jusqu'à maxer le cumul, et puis après, tu switches le perso, en gros. Et tu tapes un peu à blanc avec elle pour recharger, parce qu'elle recharge beaucoup les armes. Parce que ça va, je crois. Je crois qu'elle a une recharge de 11, un truc du genre. Je vais pas rentrer l'autre. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle va pas rentrer. Elle est bloquée ou... non, c'est bien. Non, elle est juste bloquée brain freeze. Ah merde, non, non, elle va reset, faut pas s'en approcher. Bah oui, c'est ce que j'essaye de la ramener ici. Hein. Je sais pas ce qu'elle fout là-bas, mais... Non, je sais pas, elle va toute seule là-bas, en fait. Ce boss. Non, en japonais il est encore pire. Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas commis en japonais. Hein. Enfin, il parle. Ta voix, ta voix colle bien en perso, on va dire. Ah ouais. Ça, je le mettrais bien en japonais. Yes. Il est même très verbeux en fait. Ah ouais, parce qu'il parle tout le temps. Hein. Ouais, et à chaque fois que je fais une attaque, je fais des bruits. Souvent en tout cas. Un perso qui devrait être intéressant en tant que healer. À savoir. La nana avec les bras mécaniques. Ah ouais, mais elle est plus support de ce que en tout cas de ce que Mulan a dit. Bah je suis pas très bien vu où elle soignait, mais apparemment elle peut soigner, mais j'ai pas vu dans les vidéos que j'ai regardé. Ouais, je sais pas, Mulan avait l'air de dire qu'elle était plus support que vraiment heal, quoi. Un peu comme Nemesis, quoi. Ouais, je crois que c'est plus comme Nemesis. Pour ça, il faudrait que je me penche dessus, mais effectivement, ouais, peut-être. Elle est dans quel élément, d'ailleurs? Elle se bat avec des bras de colosse. Enfin, qui ressemble aux bras de colosse, quoi. D'accord. Par contre, en tant que tank, ta gauche, marque. Oui et non. Oui et non, parce que en tant que je peux prendre plutôt Sakifuyo, qui est tank. Et qui est glace. Et oui et non, Marc, parce que Marc, ok, il est bien
Il est bien, il est pas bien parce que apparemment il permet de prendre les dégâts de ton équipe. Ouais, t'es gagné. Ouais, ouais, enfin, sauf quand tu joues avec des PU qui évitent rien, je pense que perdre ton temps, c'est le meilleur moyen. Enfin, surtout que t'as jamais des hits potables alors. Oui, toi, en méca, tu prends beaucoup moins de dégâts, etc. Tu prends beaucoup moins de dégâts physiques, donc. Sachant que les trois quarts des AOE, elles sont plutôt élémentaires, donc. Dépend des boss. Ouais, je pense qu'il doit être bien sur certains boss, et je pense qu'il est bien surtout quand t'as une team qui reste pas dans toutes les AOE. Bon. Bon, bah, si tank DPS. Oh, je suis MVP, sérieux? Bah, bon, ça se fait que c'est pas toi. Pas eu du coup à soigner. Je suis tank DPS, mon cœur. Bah, ouais. Oh, j'ai une matrice aînée, bien pourrie. Je vois ça. Que tu sois heal aussi. Bah, je peux me healer un petit peu avec Meryl, hein. C'est pété, temps, de toute façon. Mais non, c'est pas le sujet, c'est juste que les DPS, DPS malgré leur bonus, étaient pas ouf. Enfin bon, ils ont fait le taf, ils ont évité les coups, donc bon. Ouais, c'est vrai. Bon, bah on y retourne. Ouais. J'avais déjà dit, mais ce serait peut-être bien qu'on fasse du boss d'ailleurs. Du world boss, j'entends. Ouais. Enfin, plus spécifiquement du Robark, mais. Robark, si tu veux avoir avec Robark. Matrice King. Matrice de King, ouais. Est-ce qu'elle te donne ou... Ouais, presque bien à mettre dans tous les sets, presque bien. Basiquement, si j'ai bonne mémoire, ça te donne plus de break shield. Enfin, de break shield, pardon. Bon, on va voir ça là-bas. Non, quelqu'un a posé ça. C'est un truc par terre déjà. Ouais, moi avec. Ouais, moi je m'en fous, hein. C'est pas mon DPS qui fait la différence en vrai. Basiquement je le mets pour appuyer sur le bouton parce que bon, sinon il sert à rien quoi. Pour faire ça, je vois pas pourquoi on va pas au bout prendre le dernier mob. Ok, j'arrive bien. Tu vois la fille là qui est en premier DPS, elle joue. Donc ça va, je prends Meryl, mais après j'ai pas vu le dernier. Je dirais Fridge. Bah, je vais pas regarder. Je vais pas regarder pour le coup. Ah non, c'est... attends, il y a Mizane à jouer. Meryl, ça c'est sûr. Attends, on peut voir ce que je fais. Hop. Non, j'ai pas eu le temps de voir ce que j'ai eu. Non plus.
On va supposer rien, Philippou. Qu'est-ce que je veux là? Rien de fichu. Ah, qu'est-ce que je veux là, première vue? Ouais, elle joue bridge sous de sabot avec des esquives, effectivement. Mm-hmm. Et Meryl. Ouais, donc, elle est spé DPS glace. Ouais. En fait, avec tout le sabot, j'ai que des esquives. C'est ça. Ah, oui. Après, elle fait le tour bilol de Meryl. Tout le sabot fait des esquives et des puits de flèches. Après, elle remet le sort de Fridge. Ah, là, elle l'a pas remis. Ouais. Elle l'a pas encore remis, ses zones de glace. Ah, ouais. Elle le met pas. C'est bizarre qu'elle le met pas. Ça serait bien qu'elle revienne par ici. On la verra pas, elle va pas être trop dur. Son fils va pas être break par contre. Non. Non. Bon bah elle va faire son tourbillon. Ouais bah pour l'instant elle a pas l'air de faire. Hein, truc, ouais. Bah voilà ce qu'il va éviter. Ouf, ils se sont pris tous les deux. Hop. Non, ça va, ils sont pas morts. Non, ils sont pas morts. Ils étaient pas au centre de l'efflagration. Ouais, par contre, s'ils ont pas break le chute du premier boss, faut s'attendre à avoir la mécanique de la main, non? Ils ont designé ce boss en fait. Je sais pas. Ils disent oh c'est rigolo un mec qui est. Un mec sur un monocycle quoi, effectivement. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ouais, j'en ai aucune idée de comment ça leur est venu à l'esprit. Hein. Ça se trouve, il y en avait un dans le bureau qui se balade avec ça. Ils sont un peu trop bien, on va faire un boss trop marrant. Oh lol. Je trouve un peu creepy en plus. Ouais, aussi. J'aime pas son sourire. Non, il a l'air un peu bizarre. Je suis un peu bizarre quoi. Il aurait bien une sorte de pervers, je sais pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, puis quand il se balade à pied là en faisant son cliquet, c'est bien. Ouais, j'avoue. Ça me fait penser à un truc, mais je sais plus dans quoi je l'ai vu. Ah si, c'est un extrait que tu m'avais monté de la série... c'est du mec qui a fait Breaking Bad, il y avait une autre série dans laquelle il jouait avant. Ah oui, quand il fait la course... Ouais, quand il fait la course à pied avec le mec là, avec sa combinaison. Hein. La course de marche rapide. Ouais, c'est ça. Bah, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, c'est ça, Falcon. Ouais, ça me fait un peu penser à ça, en fait, bizarrement. Des épaulettes jaunes. Alors que le mec il trichait, il faisait des petits sauts. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a regardé Breaking Bad? Pas encore en entier, du moins. Non. Et du coup, je vais montrer que ce mec-là jouait dans Malcolm avant, il connaissait pas. Non, pour l'instant, on le regarde pas en entier parce qu'on s'est mis un break pour regarder Eijin. Quoi? Pour regarder quoi? Eijin. Un anime. Un anime, ouais. Il me reste de quoi en ouvrir seulement un. Je vais prendre une potion d'endurance, hein, du coup j'avais dit que je le ferais. Et je vais encore faire une. Moi je vais ouvrir juste le dernier. Ouais, non, je vais me prendre une potion d'endurance. De toute façon, je veux quand même en avoir besoin pour aller faire les trucs avec toi, donc. De toute façon, donc, soit maintenant ou après. Je suis 47 sur 48 minutes de ravitaillement, là, Astra, je sais pas où il est. Il est peut-être sur un petit îlot nord. Sur Astra, au nord, t'as une sorte d'île. Enfin, je peux pas te dire. Ah, non, attends, il est peut-être c'est sur.
sais, là où il y a l'arène. En haut, je crois que. Ah, peut-être, ouais. Il était bloqué à ce moment-là, donc je vais pas y aller chercher. Donc, t'es niveau combien, t'as dit 35, 38 Là, 36. 36. C'est pas mouillé quand même sur la question, hein. 35, 38, c'est quand même une fourchette assez large. Mais je savais que c'était un truc dans le genre. T'as combien là comme niveau ? 1, 50, c'est ça ? Oh, oh, voilà, bon. Mais par contre, du coup, toi, si tu prenais Ruby en main DPS, t'aurais qui toi en... Ah, y'en a un qui est en train de mourir là, je sais pas si t'es au courant. Bon. Je sais pas où il est, mais il est en train de mourir. Il est là-bas. Je vais pas le chercher là-bas. Hein. Et il est où l'autre? Bah, ils sont là-bas. Ils ont pas tout suivi le mouvement. D'accord, super. Bah ouais, moi je comprends mieux pourquoi ils sont en train de mourir. Hein. Je vais les heal avant qu'ils meurent parce que. Ouais, ouais. Bon, bah c'est trop tard, il y en a un qui est mort. Gros mongoleux. Ça vous dirait pas de suivre le groupe un peu? Non, merci. En même temps, je comprends pourquoi il meurt. Hein. T'as mis un DPS déjà. J'avoue. C'est pas ouf. Clairement. Bon, du coup, je vais faire un petit paquet. Hein. On va pas aller jusqu'au bout parce que on va mettre 3 heures à DPS. Hein. Ouais, c'est donc pour le junior qui a raison, il y en a toujours un qui est à l'autre bout de la map, à moitié agonisant. Hein. Bah, je sais pas pourquoi il est en train de mourir d'ailleurs, il est où? Bah j'en sais rien. Comment il peut mourir? J'en sais rien. Je crois qu'il a pas compris la règle de base d'un MMO, suive le tank. Je ne vois que ça comme explication. Peut-être qu'il croit qu'il est tank. Ouais. Si le tank en papier mâché existe, il est peut-être. Les deux DPS sont coude à coude. Ouais, j'avoue. La deuxième et la troisième passe. Ah non, c'est bon, il y en a un qui est remonté. Ouais, 165 et 67, c'est pas spécialement un navigateur, mais bon. Hein? 165 et 67, néanmoins, hein, c'est pas spécialement un navigateur, mais bon. Non, effectivement. Je crois qu'on va en chier ici. Oh. Ouais, ils vont pas break le shield. Et vu qu'ils ont l'air de prendre généralement cher, c'est ils vont plus ou moins tous prendre, je pense. Va clairement pas être break. Hein. Non, effectivement. Quoique. Non. Parce que... Effectivement, ils se prennent tout. Et là, vous allez tout vous prendre aussi. Ils vont tous se prendre. Ils vont tous se prendre. Regarde bien. Tous les regarde. Ouais, ouais, ils vont mourir. Non, ils le prochain combat va être ultra chiant. On va avoir la phase donc, je déteste ça.
ça rend le combat tellement long. Ah. On va essayer de le tirer. Ouais, parce que j'ai sorti mon barrage de missile. Ouais. Bah moi aussi en fait. Bon, vu la répartition du DP, je pense que tu seras une DP. Je sais pas, il y en a un qui commence à me rattraper. Faut aller vite, hein. Oh putain, pourquoi il se barre un autre? Je te rappelle que le but c'est pas de te rattraper, le but c'est de te dépasser en tant que DP. De facto, vu le buff de DPS de 50%, en étant tagué DPS, ça devrait même être une baisse quoi, d'être plus haut que. Oh, il est chiant quand il fait ça avec ses petites boules de même. Putain. Ça m'énerve. Il m'énerve, attends, il va arrêter de bouger ou là. Ça m'énerve, c'est le DPS qui est à moitié agonisant, qui s'éloigne à l'opposé de moi. Finalement, je regardais, les shields sont quand même pétés, donc... My bad. Alors. Ah non, c'est toi le MVP. Bah ouais. Et tu es? Bah ailleurs. Oh, une matrice sauvée. Tu peux pas me donner les matrices jaunes plutôt, c'est rien. C'est pas mon DPF qui m'a mis MVP, hein, c'est mon heal, hein. T'as pas de choix. Bah, faut dire qu'ils ont pris cher pendant tout le long du... Bah oui, c'est pour du ça. Du donjon, donc bon. Et ouais. Ou alors c'est toi qui t'es soigné? Non, non, du tout. Ça ne serait pas suffisant. Bon, bah du coup, mon Andus est mort pour le reste. Il me reste juste 45 là, donc on peut faire tes trucs. Je te passe le lead. Tes trucs, ouais. Bah oui, tes trucs. Je prends une popo. Hein? Il me reste 45 aussi, donc... Ouais, et quoi? Et y en a combien à faire? Oh, bah j'en ai 4. On peut en faire plein. Ouais, on pourra pas en faire 4, hein. Je vais pas claquer autant de potions, hein. Et bah on va les choisir. On va les choisir. J'en ai pas autant à claquer, quoi. Je veux bien. Je vais claquer une potion, hein, comme ça j'en ai plus et on en parle plus, mais... Alors, j'en ai une qui donne les cadres en nanofibres, et l'autre, c'est pas les cadres, c'est les... Comment ça s'appelle déjà?
les cadres d'amplification. Je pense que c'est plutôt les amplifications que tu préfères. De toute façon, moi, c'est les noirs et les bleus en général, si j'ai bonne mémoire. Oui, bah forcément, c'est forcément les noirs et les bleus. Ah oui, j'en ai deux, plus les noirs. Mais bon, en fait, je m'en fous parce que j'en ai besoin dans mes deux cas, donc. D'accord, bon, on va faire les cadres noirs en priorité. Ouais. Ouais, c'est plus des noirs qu'il me faut, les bleus, m'en fout. Genre, je crois que les bleus, c'est pour ton bâton de heal que j'ai même pas augmenté 110, 120. Non, je rentre que c'est pour mon DPS, mon bâton de heal, normalement, il est sur les carrés noirs. Il me semble. Ouais, c'est les carrés noirs. Les jaunes noirs, quoi. Bien ce qui me semblait. À savoir les cadres d'amplification 2. Alors je sais plus pour quel truc il me faut l'autre. Là. Bah les bleus c'est sur l'arme de friche de mémoire qui en a. Ah non c'est des noirs aussi. Non, c'est des noirs. Moi c'est le bouclier. Moi le c'est bouclier, sur l'arme de feu ouais. Ouais. C'est ça. Moi c'est sur l'arme de feu en fait. Le bouclier c'est l'arme de Myril, c'est les noirs aussi. Pour moi c'est l'arme de King. De heal, c'est les noirs. Par contre c'est vrai que maintenant quand j'y pense qu'on va faire ça, je vais changer le set, ça. Je vais pas rester en heal, ça sert à rien. Ah c'est le... Si je veux monter l'arc de Sutsaba, c'est les bleus aussi. En fait les bleus il me les faut pour Uma et Sutsaba, c'est tout. Le reste c'est que... D'accord. Alors... Sachant que l'arc de Sutsaba, j'attends d'avoir une étoile pour monter donc... Pour l'instant, je vais pas claquer des matériaux pour ça. Ouais, moi de mémoire, je l'ai en une étoile. De mémoire. T'es prêt là, au fait ? Ou pas ? Je regarde autant de secondes. Ouais, non, je l'ai même en deux étoiles. Ouais. Sinon, oui, je suis prêt. Juste pour dégoûter. Hein ? Quoi ? De quoi ? Ah, j'ai dit, tu dis ça juste pour dégoûter ta femme. Ah non, pas du tout. Non, non, certainement pas, les 6 étoiles, hein. Oui, mais elle a pas de ça va en vrai. Certes, mais elle a friche en 6 étoiles, donc bon. Hein. Ouais. Alice, elle remplace plus ou moins Fridge dans la nouvelle méta, mais quand je dis remplacer, c'est-à-dire remplacer si t'as deux fois la... Ceci en supposant effectivement que t'es pas une arme 6 étoiles, parce qu'à mon avis, voilà, il fait 6 étoiles. Si tu lances 6 étoiles, faut peut-être pas chercher à remplacer. Quoi. Je pense pas, parce que sinon tu vas devoir investir à donc sur le nouveau perso. Non, quoi. Et puis ça reste un DPS corps à corps, hein, glace, hein, donc t'en as déjà un. Donc... Après, je sais pas sa capacité de recharge, tout ça, j'ai pas encore trouvé sur. Peut-être ils l'ont mis à jour pour Fantasy Index. Quoique, je sais plus quand est-ce qu'elle sort, Alice. C'est peut-être le 1er octobre, donc c'est mort. Tout à l'heure en faisant le truc là pour XP, je sais pas le nom. Ouais, le conflit frontalier. Ouais, et je l'ai lancé et tout, j'ai lancé le truc en auto et tout avec les autres personnes. Et je sais pas pourquoi, nos armes ont bugué, on se battait avec des points, avec nos points. Mais vraiment, hein. D'accord, et quand d'accord. J'allais dans l'interface d'armes, je voyais plus mes 7. D'accord. Et quand on est sorti de là, elles sont réapparues, mais du coup, mon personnage, il a utilisé toute ma bouffe quasiment, et il a bouffé 6 trucs, quoi. Mmh. J'étais un petit peu deg. Ça va, faut que ça m'arrive. J'en ai un deuxième avec des cadres, on le fait. Ouais. Ouais, bah. On va se mettre sur. Alors, il est où ? Il est là-bas. Il y a là en plein dedans. Même pas, j'ai oublié de mettre mon planeur, comme d'habitude.
Hop. Je lance. Hein. Ah. Rien sur ces yens là. Non, bizarrement non, je sais pas pourquoi. Moi je viens de me rendre compte. On l'a jamais le petit boss bonus hein, ici à la sortie, enfin moi j'ai jamais vu quoi. Non. C'était surprenant. C'est parce que je l'ai vu chez toi que je sais que ça existe, parce que sinon je crois que je serais même pas au courant. Bah ouais. D'ailleurs je me demande si quelqu'un est au courant. Je l'ai vu sur internet, des gens l'avaient signalé, mais c'est rare en fait, c'est un pourcentage de chance de l'obtenir. D'accord. Pourcentage qui n'est pas élevé forcément. J'ai encore de quoi en faire potentiellement hein, si tu veux. Ouais, bah je vais acheter une popo. Non. D'accord. Bon, même si elle coûte 100, c'est pas grave. Allons-y, alors. Ouais, mais j'aurais pas de quoi suivre. J'aurais pas de quoi suivre sur Fusker, de toute façon. Ouais, t'inquiète. Bon, le cadre. Alors, j'en ai un. Ouf. Non, il est où l'autre? Bah, il est à côté d'un TP en plus. On va faire celui-là. Ouais, au pire, j'irai le faire tout seul. Non, attends, faut que je prenne. Sac à dos. Là, il me reste plus que deux trucs à trouver sur la map. C'est moi que j'ai pas vu beaucoup d'annonces pour Obark. Non, effectivement, je lance. Hein. Ouais. Moi j'ai vu une annonce pour Cryobot. Ouais, la même. Elle me semble que je vois pas des masses d'annonces tout court en fait. J'ai vu du Sobek aussi. Oui. Oui, bah c'est ce qui vient d'apparaître là maintenant donc. Je sais pas ce qu'il chope, Sobek, je sais plus. Je ne sais plus non plus. Je ne sais plus non plus. Hey!
Ouais, c'était un truc qu'on devait faire, je crois. La faille du néant, ouais. Bon, ouais, ça, je vais repasser en rail, mais je fais juste un petit AFK vite fait, bio, je reviens. Ça marche. Les coffres dans les donjons, ça compte comme truc de ravitaillement? Enfin, pas dans le ravitaillement, mais de monde. Non, oh, non, non. Le monde, c'est vraiment ce que tu vas trouver sur la map. Il te manque quoi, en fait? Dernière nouvelle, là, il manque deux explorations. Deux explorations du monde. Eh bien, je pense que c'est... Est-ce que t'as été, quand tu zoomes sur Astra? D'accord. Tu vois, c'est marqué Rusty Belt. C'est en haut. Là, on voit plus l'Astra. Je vois Méridional, je vois Vega, Arène, Astra. Montagne, ou... montagne septentrionale. Ouais. T'as un TP. Ah, la chaîne du Nord. Rusty Belt. Bah, donc le TP, faille spatiale, chaîne du Nord. À gauche, ouais. De Rusty Belt. Tu prends une diagonale à gauche. Ouais, ouais. Et sur Astra, je te parle pas du gros îlot vert clair, hein. Je te parle du petit îlot glouté. Ouais, si tu y es allé, parce que moi je sais qu'il me manquait à cet endroit-là, il y avait un nucléus noir et puis un autre truc. Je sais pas, les nucléus sont un peu sur la même des temps. Trucs de... un événement, mais il y avait un machin pour mettre pour les feux d'artifice là. Voilà. Ah oui, et il y a un Robarg Channel 26. Ah bah, je vais y aller alors. Ok, bah vas-y, les groupes. Bon, j'ai combien moi de clés là? Deux. Ouais, vas-y, je vais TP aussi. Bah, je suis auto-join, hein, donc. Ouais, je vais faire ça aussi. Ah, ils ont fait un groupe de 8, c'est cool. On va peut-être passer en hybride, sinon je prends tout le temps la peau. Il est déjà en train de mourir en fait. Il est rentable de là à dire qu'il est en train de mourir, il y a de la marche. Il est quasiment mort. Non, il y a 5 barres de vie donc pas trop long. J'ai pas le temps de changer du coup, j'ai été fait direct dans le combat. Donc, Et puis hein, je vais dans la groupe, c'est tout. Hein. Je vais avoir encore manger de la nourriture dans mon coin là. Faut te plaquer un lit si tu veux. Hein, hein. Non, c'est bon, c'est bon. Pour en bidule, mais je vais quand même lancer avec. Hein. Ouais, parce que je. Ouais, bah attends, faut que je charge. Y'a pas chargé pour l'instant. Ouais, c'est bon, je lance. Merci. Ce qu'il y a dans ce coffre. Ouais. Oh, j'ai une arme. Là, j'ai King. Ah bah j'ai bien fait de venir avec toi, du coup. Bah, alors, j'ai King, Armia, lui tout seul.
Ah, depuis le temps que j'en fais, que j'en ai jamais eu sur les boss, je vais regarder ce que c'est comme matrice. J'espère que c'est celle que j'ai pas. Tais-toi donc. J'espère que c'est celle que j'ai pas. Tais-toi donc. Alors, changer. Non, matrice. Ouais, c'est celui que tu voulais ? Bah oui, c'est pour ça que j'étais là. Mais j'ai réalisé tout ça. C'est dommage. Complètement. Complètement. Alors. Un des trucs qui me manque peut-être, c'est... Bon, c'est pas le bon emplacement, malheureusement. Ah bah oui, c'est dommage. C'est l'emplacement de... là où j'ai une chirou, donc il faudrait que j'ai une autre chirou. En fait, il faudrait les mains. J'ai pas d'emplacement au niveau des mains. J'ai rien en jaune au niveau des mains, là, qui se... Je sais pas si c'est des mains, en fait, qui se joignent. La foi, j'ai rien pour la foi, en fait. J'ai pas de foi, en fait. Je n'ai pas la foi. Bah moi je l'ai donc, je l'ai King en main, d'ailleurs. J'ai qui c'est, ouais. C'est quel slot que t'as ouvert, là? J'ai le slot... Ouais, c'est quoi le dessin, hein? Cœur que j'ai eu. Je l'avais pas, en plus. J'adore ça. Et la prochaine Chirou, c'est quoi qu'on chope? Dans le suppresseur, est-ce que c'est la foi, justement? Tous les coups, non, ce sera pas la foi. C'est la Chirou cerveau. Putain, j'ai tout le temps cerveau, ça. Cerveau. Mais c'est trop ça. Non, mais je sais King, je crois que je peux la mettre sur Uma, je crois, du King. Parce que c'est un breaker de bouclier, donc... Bon, je te réinvite, parce qu'il me semble qu'on avait encore un truc à faire. Ouais. Moi, je regarderai ça après. Par contre, le truc que j'ai à faire, on doit le faire en heal. Enfin, je dois le faire en heal. Simulacre. Tac, tac, tac. Autoriteur. Ouais. Par contre, je sais pas pourquoi on est en groupe de raids. Je vais pas demander ça à la base. Bah, c'est parce qu'on était dans un groupe de raids. Ouais, mais c'est pas pour ça que je dois recréer un groupe qui est forcément en groupe de raids. C'est pas moi qui l'ai créé, ce groupe. Je sais plus comment on repasse en groupe normal maintenant. Vite là, vers le début de la map, c'est près du village, du tout premier village là. Il y a deux champignons, j'arrive pas à trouver le troisième, je sais pas si vous savez où il est. J'ai pas suivi, excuse-moi. Non plus, je suis en train de chercher comment on change putain de groupe. Vas-y, répète Dark, s'il te plaît. Les champignons ou... Pourquoi c'est toi qui as le lead en fait? Non, c'est toi qui as le lead, c'est quoi ce bordel? Je peux te demander ça. Près du village. Du tout premier village, il y a deux champignons. J'arrive à voir deux champignons, mais j'arrive pas à voir le troisième. Il doit être en hauteur ou en contrebas. Je pense que c'est le premier que t'as l'autre là. La gamine qui se fait défoncer là. Qui te dit vas-y, tu peux sauter dessus. Bah ouais, c'est toi qui avais invité en fait. T'es encore en vrai quand tu m'as invité, ouais. C'est ça le truc. Et c'est où ça, Astra, ça, ce que tu dis? Ouais, ouais. Et de ce que je vois, apparemment, ça donne une sphère. Bah oui, je t'avais dit qu'il faut sauter dans le bon ordre. Ouais, non, mais la musique. Ce que je veux dire, c'est que je vois sur la map. Sur une map sur internet. Ouais. Je vois justement, apparemment, on peut choper un nucléus noir sur cela. Mmh. Et vu que, comme je dis, j'en vois que deux. Donc, bah non, ils sont tous à. Ils sont tous autour, hein. Tu peux en avoir entre 2 et 5. Oui, ils sont autour. Ils sont autour. Ils sont peut-être un peu plus petits ou plus gros, ça dépend, mais ils sont forcément autour ou un petit peu en hauteur sur les pentes. Voilà, ils sont pas forcément tous à la même altitude. Faudra pas sauter à 2 dessus. Non. Non, si c'est les champignons qui s'allument en bleu et qui font une petite musique, tu dois sauter tout seul dessus et ils sont tous dans les alentours. Ça... Après, si est-ce que t'as déjà eu une clé dessus? Pourquoi tu l'as tué, c'est moi qui en fait. Parce que moi je te suis là, mais tu fais l'imp. Sur ta minimap, oh. Est-ce que tu vois un point blanc? Tu fais l'imp, je te dis. Non. Ouais, tu vois pas de point blanc? Sur ta minimap? Bah, c'est que tu l'as déjà pris. Non, en fait, quand t'as un point blanc sur ta map, ça t'indique un nucléus, en fait. Un nucléus... Enfin, un truc avec un nucléus dedans, donc ça peut être un champignon. Les secrets, ils te disaient pas. Si, sur la minimap, dès que tu vois un point blanc, c'est un endroit où tu peux choper un nucléus. Après, c'est soit un nucléus jaune ou un nucléus noir. Ouais, mais tu sais, les champignons, c'est un peu des trucs de secret, en fait. Ouais, mais non, ça apparaît quand même sur la map.
En fait, si pour chercher le dernier point qui te manque, il faut que tu te balades dans la map et tu cherches un point blanc sur ta minimap. Ah, et si c'est un, si un module de ravit. Les quoi? Les sortes de crabes volants. Ah oui, ça faut. Ça, ça n'apparaît pas sur ta map par contre. Mais il faut juste quand t'en trouves un, tu. Tu le suis, ouais. Il y a plein de bonus de l'autre côté là, moi. Ouais, enfin, je ce qu'ils veulent, mais je vais chercher. Je vais là-bas. Moi, je vais d'abord chercher les bonus. Il y en a même que... au milieu là. Ouais, je l'ai vu plein là-bas en fait. Ouais, il y a plein de l'autre côté aussi en fait, ils ont rien foutu en fait. Non, ils ont rien foutu. Ils sont où d'ailleurs? Ils ont ça, rien. Probablement déjà TP à la base sans même prendre moindre bonus. Non, non, ils sont dans le coin. D'accord. Ils doivent être sur l'autre plateforme, sur l'autre. Bon, tu vas tomber toi? Bah, je l'ai vu. Oh, on a rien. On a plus rien. Alors ensuite. Oh, je crois que ça a l'air bon là. Moi j'en ai 6 sur moi. Moi j'en ai 5, je vais déjà faire les transferts. Quelqu'un m'a demandé l'attaque de JF. Attaque. Attaque de feu. Bon, attaque physique j'en ai pas besoin. Si tu veux, moi. Attaque de feu, je m'en fous, on va dire. Bah, ça, c'est sur toi. Kenza, alors moi je veux quoi? Du givre. Moi j'aurais bien les poètes si quelqu'un les a, mais je sais pas qui les a. Ah, c'est 214, je sais pas pourquoi il a pas de nom, mec. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Des trucs. Je lui givre, c'est ça que t'as dit? Givre et puis guerrier, mais c'est pas toi qui as guerrier, je crois. Je t'en ai envoyé un, hein, mais voilà. Ouais. Je sais pas, il m'a réclamé des trucs, je lui demande les poètes, il me les envoie pas, donc ça fait un peu chier. Bon. Comme d'hab, quoi. On demande, mais on rend pas, quoi. Ouais, je demandais du JU, mais bon, pas. Je suis sûr qu'il est de l'autre côté, en plus. Bah, il est où? Il s'appelle vraiment 214 machin, le mec? Je ne sais pas, je suppose que oui, vu que c'est ce qui est affiché. Bah je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas, il m'envoie de l'attaque physique. Je sais pas qui m'a... Bah alors, j'ai un peu l'impression d'être une poubelle en fait. Il est en train de les envoyer, il m'a envoyé l'attaque de givre. Il d'accord, j'ai un peu l'impression. Non, il demande l'attaque de givre. Se fout de ma gueule. Bah non, il a le pipe, c'est et il en a déjà 3 en plus. Bah oui. Donc, bah ouais, c'était sur la même île que toi, il te... Tu avais oublié. Ah, je te dis, il demande, il rend pas, donc bon, voilà quoi. Oh lol, il m'a donné l'attaque physique, alors que j'ai pas la moindre arme en attaque physique, mais c'est pas grave. Bah tu prends et tu dis merci pour rien. Ah, c'est ça. Bon, il se ramène le cul ou... Bah j'aimerais bien qu'on y aille, ouais, parce que là, bon... Putain, le nom de sa guilde, quoi, Entai Lover. Oh, vas-y, allez, vas-y, laisse tomber. Le nom de sa guilde, quoi, Entai Lover. Entai Lover, en fait. En plus, c'est un nuque jaune qui est la base. C'était bien sur l'île, enfin c'est l'îlot là. Je t'ai dit. C'était bien dans Astra aussi. Les deux UPS jaunes. C'était bien sur la quête d'Astra, hein. C'est pas l'îlot encore plus souvent. Ouais, c'est... Là, là c'est bon, je suis trop content. D'accord. Même pas en haut fait. Bah juste le titre, là, t'as dû obtenir un titre. Bah c'est ça en fait. Ça donne un truc. C'est un titre que tu peux afficher au-dessus de ta tête, en gros, dans la, là où je t'ai dit d'aller tout à l'heure, dans le truc où tu vois les stats de ton perso. Tu choisis d'afficher un truc au-dessus de ta tête. Salut Tiède.
fais juste pour faire beau, quoi. Comment vas-tu? Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu sur le live, tiens. Oh bah ça va. Ça va, ça va. On est en train de jouer avec Melo sur, sur Tower of Fantasy. Vraiment, je pue Melo. Ouais, c'est parce qu'elle connaît Melo. J'ai pas entendu qui est là. Tiad. Ah, salut. Je ne donne pas son vrai nom, mais c'est Tiad. C'est un certain temps attendu. J'ai l'impression qu'il y aura une infinité de temps ce combat. Bah, je sais pas s'il dépasse bien les deux autres, on va dire. Je commence pas à le savoir dans ces longs jours. Ouais, j'avoue. Normalement, on le saura à la fin, mais bon. J'ai l'impression que c'est long. J'ai l'impression, ça l'est. Ouais. Attends, j'ai pas trop regardé, t'es supposé être en dessous de la quoi le boss? Hein? Je sais pas, faut regarder en haut là. Ouais, j'ai le temps de regarder. Attends, je vais te dire. Non, oh, c'est variable. C'est variable? Ouais, c'est variable parce qu'il y a des. Il y a des affixes dans ces donjons-ci. Je sais pas, c'est pas écrit, y'a rien de particulier. Bah normalement t'as si, t'avais au début, enfin c'est au début en tout cas que tu sais quoi, bah, c'est ta astuce. Physique, donc, je suppose qu'il résiste à la physique. Non, ça veut rien dire, je t'ai dit, y'a des affixes variables dans ces donjons. Je t'ai dit au début du donjon en fait, astuce, utiliser les verbes de ceci. Ah t'as utilisé du feu pour essayer? Attends, je vais essayer. J'ai pas de feu de toute façon. Je sais pas, mais il prend cher en fait en feu. Bah c'était peut-être astuce, utiliser les verbes de feu. Hein. Peut-être. Enfin, j'ai l'impression. Bah oui, j'ai fait du vent, il avait plein d'armes de feu. Moi, je prends l'arme de glace, je fais du. Non, j'ai de la merde. En glace, je fais 67. Quoi. Ouais, je vais pas regarder lui. Ouais.
tout. J'ai rien eu. Ah ouais, quand même. T'as vu ces dégâts, mec? J'avoue. Bon, ça se fait qu'on a, on a rien dépensé. Ouais, y'en a un, surtout celui qui a chiffré, a vraiment fait un nombre de dégâts hallucinant par rapport à... Ouais. Ben, c'est clair. Ça me paraît même bizarre. Moi aussi. Ça m'a même paru extrêmement bizarre. Bon, c'est bizarre. Étrange, étrange. Bon, pas de voiture, on a terminé ce truc-là. Alors... Apparemment, on a débloqué une récompense d'équipe aussi. Et du coup, bah, je vais claquer le... ce truc-là. On va bien ce qu'il y a dedans. Alors, maîtrise, hop. Ok, bon, rien de terrible. Oh, demain, j'ai ma livraison pour le chat, de 10h à 13h. D'accord. Donc le chat a sa livraison, en fait, c'est ça qui veut dire. C'est ça. C'est une petite croquette, sa petite litière. Ah. Ils font tous du dévoreur pour l'instant. Je sais même pas ce qu'ils donnent au dévoreur, en fait. Le dévoreur, il donne rien en fait, c'est pas un des boss, c'est un des, une des cibles en fait. C'est juste une des cibles. C'est une des cibles d'exploration en fait. Envie songe, c'est pas un des boss. Bon, ça serait pas mal qu'un rebarque là qui spawn vite fait. Alors. Histoire de claquer mais... Mes 6 chipsets jaunes. 10. Bah ouais. Ah, je vais garder ceux de la semaine passée. Voilà, ouais, cette matrice, voyons voir. Sur qui je dois du... Il me faut du chiot, sur qui? Je vais quand même aller voir ce qu'il y avait dans l'autre map. Vite fait, parce que j'ai pas en tête ce qu'il y a sur les boss, ce qu'il y a comme matrice sur les nouveaux boss. Je vais aller faire un tour pour vérifier. Qu'est-ce qu'il veut ici? Hop, on va déjà zoomer un peu pour voir les boss. Alors lui, qu'est-ce qu'il donne? Voilà. Voilà. C'est une matrice Samir, ok. Une matrice Samir, donc ça on s'en fout. Pas plus ou moins quoi. Non, c'est chiant de devoir zoomer à ce point-là pour les voir en fait. Bon, il y a le dragon, et ils sont où les autres? Il y a que le dragon. Y'a pas une grenouille aussi? Je sais pas où elle est la grenouille. Ah, elle est au nord du dragon, je crois, de mémoire. Ah ouais, oui. Et c'est... Ah bah c'est une zéro, tiens. Lorsque vous utilisez une compétence de décharge pour passer à l'arme actuelle, vous dégagez, vous gagnez un bouclier équivalent à blablabla pendant 6 secondes. Tant que le bouclier est actif, vous et les membres de votre groupe infligez 16. Non, c'est pas mal pour le buff. Ouais, bon, n'empêche, je sais pas ce qui m'intéresse. Bon, bah, du coup, s'il n'y a pas d'annonce pour Robark, je ne sais pas ce que je vais faire. Bah, sinon, tu vas au Robark et tu vas tomber, non? Ouais. Bon, pas. Oui. C'est vrai. Il fait l'annonce, ouais. Bah, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je pourrais faire ça. Je sais pas pourquoi tout le monde est sur le Drake, pourtant le Drake il est pas ouf. En plus d'être relativement chiant comme combat. Hop, bon, même un rebarque il est là. Hop.
Par contre, on aimerait bien comment tu configures le groupe en auto-join. J'ai une option. Mais je crois que c'est un des options directement. Je viens de voir approbation automatique d'Element. Ouais, j'ai vu. Et par contre, comment tu le passes en raid, ça je sais pas. Ah bah, voilà. Un raid. Hop. Attends, est-ce que je vais pas regarder un truc? Non, le raid c'est quoi? Limite de niveau inférieur 60, 80. Ok. Bon, déjà passer en raid, ça sera déjà une bonne chose. Bon, du coup, je vais voir s'il y a un robard qui up déjà sur cette chaîne, et s'il pas, bah, je vais rester un autre. Ouais, si, il est déjà up sur ce tel en fait. Il est déjà up sur le 11. Alors, tac. Robard chaîne. On est sur quelle chaîne là? 12, hein? Ou 11, je sais plus. On est sur le. Merde, je sais plus. Bah, je sais pas, je suis pas dans ton groupe, je suis peut-être plus sur le même canal. Hein. Non, effectivement, changer de canal. C'est chaîne 11, donc Robard. Chaîne 11. Il y aura bien, c'est les jours qui viennent. Si tu veux, pour Robert, je viens venir aussi. Hein. Je sais pas si tu peux auto-join mon groupe. Robert. Ouais, c'est pas... Non, c'est pas le problème. C'est qu'il y a une. Quand tu crées un groupe, t'as une différenciation de level dans l'auto-join. Je crois que c'est 60 minimum. T'as une sorte de cap dans ton groupe, quoi. Ce qui est un peu con, après, mais. Après, tant que je suis dans le même serveur que toi, y'a pas de problème. Non, non, effectivement, ça non. Mais je veux dire, tu peux pas auto-join et TP sur moi, du coup. Rien. C'est vrai. Mais je pensais juste au channel. Faut pas vous faire de passer sur channel. C'est pas lié au... Non, honnêtement. Si, si. Bon, bah, j'ai un mec niveau 30 qui m'avait rejoint une fois sur son bec pour les aider. Ah bah j'en sais rien, moi c'est ce qui était marqué dans le truc de groupe. Je vais faire un essai, tu verras bien. Bon, en tout cas, j'ai du monde. Qui est venu là. D'ailleurs, si tu t'es fait mon cœur, t'as qu'à venir. Hein. Ouais, je sais pas si je vais faire du king ou enfin. J'aurais bien fait un clio bot, mais y'en a pas. Bah je sais pas, ou reste pas dans le groupe, mais fais quelque chose. Ah, je suis dans le groupe, hein. Bah, ah, c'est ouais, ça, tu t'es pas aux critères du groupe. Ouais, je sais pas, je vais regarder si je peux faire changer ça. T'es à quel. T'es sur quel canal? Le 11. Je sais pas si on peut changer ça. Ouais, je vois pas, non. Il met une limite inférieure à 60, quoi. Et si je l'enlève, c'est pas l'enlever. Non, c'est pas l'enlever. Ouais. Non, mais de toute façon, dans les faits, il faut que je choisisse des boss pour valider leur bouquin. Bon, ouais, go. Oh, vas-y, je tombe. Ah, oh, bah, il y a du monde qui arrive, de toute façon. Il y en a d'autres qui t'étaient, donc. Ouais. Si on n'a pas besoin d'être 15 000 pour le tuer, en vrai. Non, effectivement. Pardon, vous, le Robard, vous voyez à quel level? 68. 68. Voilà, moi je le vois à 37. Ouais. Cher, bah je m'y arrive, bien, je m'y arrive juste à côté de lui donc. Ah le truc de non pas le grand, le petit. Un petit machin bleu au sol, mais ouais oui, moi, je peux le prendre. Non tu peux pas prendre, tu peux pas prendre de heal si t'es pas groupé là. J'ai
je vais prendre vite fait. Et je vais me mettre en archer et je tire dedans. Il nous met cher hein, quand même. Ah bah je reste pas, sérieux quoi. On a parti pour un tour. Ah bah voilà, un king. Non mais j'ai. Oui, merci. On reste encore à voir, c'est un bon saut, mais de toute façon dans mes pires des cas je pourrais toujours m'entraîner en étoile, donc ça c'est pas. C'est pas handicapant en tous les cas. Alors lequel ai-je eu? Lequel ai-je eu? C'est pas un doublon, c'est un nouveau. Et c'est le cerveau. Cerveau. Parfait. Mmh. Génial. Bon. C'est celui qu'il te fallait? Non. Bah, il m'en fallait un, peu importe. Tant que c'était un slot, ah, okay. Un slot ouvert. Après, il me faudrait impérativement le cœur, parce que je l'ai pas, mais. Pour faire un 7-4, mais voilà. Ah, il te faut des 7-2-4. Mmh. Bah oui. C'est un peu le but de la manœuvre. Je sais plus qu'est-ce qui fait le 7-2-4, tu vois. Du coup, un cerveau bim. Ah bah. Les 7-2-2, donc. À peu de choses près, la même chose, en plus balèze. Enfin, c'est même pas ça, c'est une régénération de santé. Ah oui, ouais. S'il y a deux ennemis ou plus à proximité, l'attaque régénère un nombre de PV égal à 14, 18, 22, 26% de dégâts infligés. Le nombre maximal de PV à générer toutes les 0,5 secondes ne doit pas dépasser 36, 42, 48 et 54% de l'attaque. Ah, ça fait une grosse régène, quoi. C'est une sorte de vol de vie, en fait. Ah oui, c'est totalement un vol de vie. C'est du leech. D'accord. C'est du leech de vie. Bon, bah cool. C'est assez cool. Ouais, moi je vais monter ma maîtrise de King. Épopée. Progression. Je vais donner des trucs pourris déjà. Attends, j'en ai plein dans mon inventaire en plus. Mais du coup, si le perso que je voudrais me choper c'est Ruby, Kenzal, tu me conseillerais de prendre quoi avec Ruby? Non, c'est rien. Bon, tu sais, si Claudia n'est pas terrible pour. Tu dis prendre quoi, c'est-à-dire? Bah, il pense qu'il voudrait. Bah, oui, comme combinaison pour faire son truc. Mais Ruby, c'est une physicale, non? Non, c'est une feu. Ah, c'est une feu, Ruby, bah. C'est celle le pet de feu, là, qui vole. Ah, bah. En Breakstyle, t'as Huma en tant qui est ultra balèze, du coup? De mémoire, Ruby est déjà un breaker. Ah, c'est déjà un breaker. Dans ce cas-là, il te reste backing est un breaker aussi, donc je ne sais pas. Non, c'est pour ça que j'avais pensé, c'était Ruby et Zero déjà ensemble pour avoir le bonus de feu. À vrai dire, en fracture, bah ouais, il y a aussi un nouveau perso qui va sortir là, mais c'est encore de la fracture beaucoup. Ah ouais. Ouais. Ah, je sais que la team, c'est quoi, j'avais dit, Ruby. Après, ça recharge pas mal de ce que je vois quand même. Vite, ouais. Donc c'est plutôt une builder pour les ultis, elle. Elle est pas à 8, elle est à 10 à mon cœur. Ruby, là sur le site PowerFantasy.info, elle est à 11,50 en break et à 8 en charge. Ouais, et en recharge ici elle est à 10, elle ici le revolver flamboyant du prochain perso. Cobalt lui voit à 10 en charge et 6,5 en break. Ouais, après, bizarrement, en charge, 0, très balèze aussi, mais bon, c'est un heal, quoi.
Après, faut voir les bonus, quoi. Ouais. Ouais, j'en sais trop rien en build feu, qu'est-ce que je ferais, moi? Bah, déjà, t'as un breaker, donc c'est clairement packing. Il te faudra packing, parce que c'est exactement ce qui est bon. Huma, pas trop non plus, puisque c'est aussi une breaker. Bah, ouais. C'est pour ça que moi, j'avais pensé à zéro pour le feu. Ouais, mais il faut impérativement un deuxième DPS, quoi. Bah ouais, donc en 3ème, Pour avoir ton buff. Bah non, mais pour avoir le buff avec Ruby, elle a le truc là de... Non, mais je te parle pour avoir l'augmentation... Non, mais je te parle pas de l'augmentation élémentaire, je te parle du buff 50% de DPS quand tu tags DPS. Pour avoir l'affinité DPS. Il faut 2 DPS dans ton équipe, donc en fait ça te limite assez bien dans les choix, parce que ça te met en gros soit Cobalt qui sort, soit la sniper qui sortira Annabella. Annabella elle est DPS de mémoire. Ouais. C'est quoi ses specs d'ailleurs, elle fait quoi elle? Ouais, mais pour faire DPS j'ai pas besoin de 3 DPS, je peux avoir que 2 DPS. Non, il te faut 2 DPS. Quoi. Mais 0 n'est pas DPS, 0 heal. Hein. Oui, non, mais si exemple, je sais pas, moi, je fais Ruby, Ruby, Shiro et 0, ça fait 2 feux et ça fait 2 DPS. Oui, t'as 2 DPS. Ouais, mais c'est pas ouf, parce que du coup, tu vas pas avoir effectivement de feu, quoi. C'est... Ah, si, tu l'as avec 0. Ouais, mais 0 n'est pas un DPS. Oui, c'est sûr, mais vu qu'il n'y a pas besoin de 3 DPS, mais de 2 seuls. Mais c'est pas ça, c'est que ta résonance feu augmente les dégâts d'attaque de feu, quoi. Y compris sur l'attaque de feu, donc du coup de ton autre DPS. Donc c'est à partir du moment où tu as une résonance, c'est plus optique d'avoir 2 DPS du même élément. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu là qu'est le problème, ton 0 pose cloche un peu dans l'histoire. Parce que bon, 0 n'est pas un DPS, donc pour moi il faudrait une. De toute façon, tu peux pas avoir deux combinaisons de résonance non plus. Ruby, elle a les résonances ou pas? Ruby, elle a résonance. Ouais, donc Cobalt ne sert pas obligatoirement non plus, quoi. Parce que les deux résonances ne se cumulent pas, donc. Bah, je sais pas. Faudrait voir dans les persos qui sortent, en fait. Cobalt n'a pas la résonance. Hein. Si. Cobalt, elle a la résonance. Si, je l'ai devant les yeux, là. Bah, je sais pas, moi, sur le site, on fait pas la résidence. Bah, ouais, bah, elle l'a. Ici, elle l'a, en tout cas. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements avec la version européenne. Ouais, hein. C'est pour ça. Mais ils avaient pas la résonance. Parce que Cobalt a la résonance feu. Hein. Résonance feu augmente l'attaque de feu de 15% et la résistance au feu de 25%. D'accord, mais ouais. Et activez-la en équipant au moins 2 armes de feu, voilà. Ouais. Les effets de ce kit fonctionnent également avec les armes dans l'emplacement main libre. L'effet ne peut pas être cumulé, voilà. Ouais. Bah, de toute façon, à l'instant T, avec ce qu'il y a disponible dans le jeu, t'as pas spécialement le choix, hein. C'est juste King, hein. Y a que King en fait pour l'instant, dans ce qu'il y a dans le jeu maintenant en tout cas. Ouais, mais bon, ça... Mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, bien que ceci dit, c'est pas ouf, mais d'un autre côté, tu vas taper avec Cobalt, tu vas vite monter ta recharge, donc King et sa capacité de dégâts à eux peut devenir assez bon, quoi. Je me dis qu'en big feu, ça doit pas être dégueu. Et du coup, en 3ème, ça serait qui? En 3ème, là, tu fais ce que tu veux, quoi. À partir de là, t'as 2 DPS, donc... moi, je pense que... Bah, en fait, j'ai pas l'idée de stats d'Annabella. Annabella, j'ai pas ses stats, c'est le problème. Je sais pas ce qu'elle fait, en fait. Je sais pas si elle est... comment elle est orientée. Elle peut faire du mono-cible. Ouais, mais elle est orientée comment au niveau... elle a quoi? Elle a des stats de breaker? Elle a des stats de recherche? Elle est, De breaker. Ah, elle a 12 en breaker. Et 9 en charme. Ouais, ce qui est moins que King et moins que... Ouais, et un peu moins que truc aussi, que Cobalt. À savoir qu'elle, elle a 2 trucs. Elle a, tu sais, le truc de réaction au feu. Mm-hmm. Et elle a aussi, c'est Peace of Mind. Ouais. Et qui augmente en fait le critical rate par le nombre de skills que tu utilises en sniper. D'accord. Ouais. Ah
Ah, pour l'instant, en combinaison avec King, je vois que ça, en fait. Ouais, mais de toute façon, Ruby n'est pas encore là, donc... Non, effectivement. Cobalt sera sorti avant Ruby, de toute façon. Ouais, bah il faut. Bah, après, si tu veux t'orienter feu, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que donne le gameplay de Cobalt, par contre. Ce qui me fait penser, c'est bien qu'on en parle, tiens. Bah, c'est un pump qui fait beaucoup d'attaques en cône. Non, mais en fait, on va pouvoir le savoir, parce que c'est vrai que tu viens de me faire penser à un truc. Oui, il y a la quête. Ouais, il y a la quête, effectivement, du simulacre qui est sorti. Hop. Et il y a de fortes chances qu'on puisse l'utiliser. Accepter la mission. Voilà. Alors, c'est quoi le principe? On va devoir retourner à Icross. Hop. Donc, au plus proche, ce sera ici. Ouais. C'est la tour de mien que je vais aller transmettre. Ok. Je vais la faire au passage. Niveau nombre de persos, il faut vraiment qu'ils en fassent plus. Même sur Genshin Impact, il y en avait plus au début. Ouais, je sais pas si c'est vraiment l'objet qui aura peut-être bien plu. Ah bah l'objectif c'est quand même de faire... Ouais bah oui, c'est de faire de... la collectionnite aiguë aux joueurs à rester sur. Bah oui. Après, ils ont pas besoin de faire beaucoup de persos vu que les taux d'obtention sont super merdiques. Pas pour être méchant, mais en fait, le temps que t'en aies un, déjà, c'est compliqué, alors bon, s'ils en font plein. Hein. Je coupe vite fait Discord, je vais appeler mon père pour son anniversaire. Ah oui, c'est vrai, bah c'est plus joyeux anniversaire de ma part. Ça marche. On revient après, hein. Ouais, ça va, pas de soucis. Donc Shiro peut être pas mal, alors, en troisième. Avec son bonus de dégâts augmentés dès que tu utilises ouais. De mémoire, elle, c'est un charme, Charme. わかりました。彼女はどこに？電術重工に所属していて、カレードから専用の詳しい住所は電術重工本部の職。わかりました。急いで行って。頼みましたよ。 Genre, si dans mon équipe je mets un personnage de tank, ouais. J'aurai plus de PV au total, non? A priori non. Je sais pas pourquoi il marque. En fait, globalement, ce qui influe globalement beaucoup ton perso, c'est l'effet buff. Hein. C'est soit t'as un buff équilibré, soit t'as un buff heal, soit t'as un buff DPS, quoi. Bah ouais, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, sur les armes, t'as attaque, crit et PV. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait... Bah, ouais, à vrai dire, je sais. Ouais, augmente en fait le nombre de PV que tu as au maximum. A priori, oui. Donc ouais, tank devrait augmenter tes armes. Ouais. Avoir un tank ou un heal, ouais, ça permet d'augmenter énormément le taux de PV que tu as et donc... Ouais. Ouais, a priori, oui. Après, les heals, il y a beaucoup de vie, en vrai. Les îles ont beaucoup de vie en vrai, je suis en train de regarder Cocoriter, bon après c'est vrai qu'elle est en 4 étoiles aussi mais... A priori oui. Ou alors le contraire aussi alors. Parce que... Si exemple tu prends que des armes DPS... Bah ça va augmenter beaucoup ton attaque. Plus d'attaque en fait. Ouais bah oui c'est assez logique. Enfin c'est souhaitable en tout cas. Yep.
Bon, en cas pour mon mid glass, enfin pour mon build DPS glass, je devrais dégager Cocoriter, mais bon, je le garde en soutien, donc voilà. Ouais. Pourquoi j'ai un gros bouton ami là qui apparaît là. Demande ami. Non, je ne te connais pas. C'est gentil, mais je ne sais pas qui t'es. Ah ouais, par contre, le fait que tu augmentes tes étoiles, ça augmente aussi. Ah, fuck. Ça augmente aussi les stats et pas juste les... Fuck, je viens de faire un rebarque. Juste les étoiles qui en dessous. Hein? Juste au moment où j'allais lancer la quête, je viens de voir un rebarque. Rebarque, bon bah, rejoins ton groupe. Ouais, un rebarque en 20. Bah, si, un rebarque en 20, ouais, mais sur l'autre canal. Ah. J'essaie de te joiner un rebarque en 20, mais bon, en même temps, le mec il a fait une annonce, mais. Hein. Mais quelle est-elle, quoi. Ah, ça y est. Il s'est décidé à accepter. Bon, bah, demi-tour, ouais, hein, par hein contre, ouais. Ce que je vois, Nemesis, c'est vachement pété, quoi. Oui. Elle a pas de bonne stat de break ni de charge, mais... Ouais, elle est pétée. Et le fait de... avec ses électrodes, elle est en tier 6. Tier 5, je sais pas. Quand t'as des électrodes sur toi, tu augmentes... les dégâts. Bon, allez, on retourne à ma quête du coup. Ils mettent combien de temps à repop les boss? Les boss sur channel, tu veux dire? Ouais. Je sais pas, une demi-heure max. Une grosse demi-heure, je dirais. Je n'ai pas le timer vraiment précis en tête, mais d'observation, ça a l'air d'être ça. Peut-être même un quart d'heure, en fait, quand c'est pas si long que ça. ですか。 整備士のコバルトさんの作業部屋がどこか知っていますか。え、そうだけど。偶然。実は今日が初出社なんだ。明日からコバルトさんのアシスタント、同僚によるとこれまでのアシスタントはすぐに辞めてしまっているそうなんだ。なんだかちょっと心配で。もしコバルトさんに会いに行くならどんな人なのか確か。お安い御用ですよ。頼んだよ。作業部屋の位置に知る。わかりました。ありがとうござ。ドアは閉まっているけど、明かりが漏れている。中に誰かいるみたいね。誰だ？すみません。コバルトさんはいますか？ここの血管の構造はた、あの、こ、ん？ああ、今手が離せない。表の鉢の下に。
pensais qu'il casserait, mais non. Cette déception. Ouais, il y avait un pot de fleurs hein, que j'ai balancé allègrement, parce que dans la quête, il te demande de récupérer le pot de fleurs, mais tu le balances, il tombe comme un truc qui casse pas. C'est comme un bête d'air. Ah ouais. うん。ここの出力が上がれば対応する放熱モジュールの圧力も高。コバルトさん、あの、あ、アシスタントの仕事はこの作業が終わってから詳しく説明する。手を貸してほしい。急いで部品が必要なんだ。あ、今度知らせて、いつ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 、
ここまで追い詰められたことなんてなかった。例えば芸術家ならコンディションを整えたり、アイディアを得るためにどこかへ出かけ、新しい事物に触れることでこあれを取り戻すということは、言ってみればそんなことだ。Étrange, vous avez dit étrange comme c'est bizarre. Et salut Mordra, tu veux bien ? Deva, 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 tu veux bien ? Ouais, yo ! Tiens, TP automatique. Je sais pas si la mission d'introduction du prochain perso va permettre de le tester un peu ou pas. Parce que je crois me rappeler que le personnage précédent. Samir, c'était pas le cas. Non. Oh bah ouais, ça va, hein, tranquille. Ils ont rajouté une petite quête histoire sur le nouveau simulacre qui va sortir. Je vais un peu jeter un œil pour voir si par hasard il n'y a pas possibilité de l'essayer. C'est d'ailleurs un défaut du jeu, ça je trouve par contre. Ils introduisent des persos, mais t'as aucun moyen de les essayer avant de éventuellement investir ou pas. T'es obligé de rôle. Tout ça con. De regarder sur YouTube. Ouais, mais bon, c'est pas la même chose que de mettre les mains dessus quoi. C'est un des trucs pour moi dans Genshin qui est pas mal, ça. À chaque fois t'as un nouveau perso, une arène là, pour tester le perso. Bah ouais, mais moi ça me paraît logique quoi, c'est un minimum ce que tu vas acheter au final, hein, parce que... J'ai eu le temps de faire un peu de temps, donc... J'ai eu le temps de faire un peu de temps. J'ai eu le temps de faire un peu. こいつは、はあ、こんにちは、ハガードのものだ。知り合いなら紹介の手間が。こいつの実力なら問題ないだろう。それよりなんでここなんだよ。永久的に封鎖するのかと思ってたぜ。何しろ戻れば必ずあの名前に向かうことになる。これまでずっと避けてきた。Ouais, le... Hein ? Bah non. Bah ouais, c'est pas Mélina. Ouais, c'est Mélina, alors. Bah ouais, mais si on en a... Ça aurait été Mélimélo, tu vois. On voit pas le rapport. Pour le fun. Ici, c'est... Ici, c'est le lieu de la maison de l'enfant. C'est le lieu de l'enfant. ここにあった機械をすべて修理改造して自分の秘密基地にしたんだ。ここが子供の頃の秘密基地。でもその通り、中には危険な防御装置もあるし、何年経った今でも大部分が動作しているはずだ。なあ、そういえば大掛かりなことをやった挙句に、認証システムが正常に動作するなら問題はないんだが、そうでなければ。こんなことまでして取りに来たものってなんだ。私の宝物。よし、ならさっさと行こう。あ、je le sens pas, que je sens pas qu'on va pouvoir laisser un perso ou même pas même son arme, c'est un peu triste.Franchement, il devrait faire ça, hein, pouvoir tester le perso avant de sortir la bannière. Donc ça serait quand même un minimum, quoi. Database の呼び出しを試みましたが、この実験室の有効な情報は見つかりませんでした。コバルト。いや、懐かしいな。コバルトさん、認証システムは作動するんですか？予想していた通り、完全にダウンしてる。Qu'est-ce qu'il faut viser pour réussir à faire ça? T'as le choix entre les têtes et la fesse. T'as le choix entre les têtes et la fesse. T'as peut faire critique sur les deux, hein. Bah du coup, tu lui fais les fesses. Il lui fait... T'es sûr que c'est un mot modifié que c'est la tête? Ici, il y a plusieurs appareils qui contrôlent les différents appareils. Avec la petite voix d'enfant. Si tout le monde ne peut pas vérifier la fesse. Donc, le prochain joueur... もしどうしても明確な相手を求めるの、そう考えてもいいだろう。私たちが向き、もしお前が機械には罪はないからこ安心しろ。ほん俺はな、手加減ってことを知らないんだ。お前の性格はよくわかっている。衛兵ドロイドと鉢合わせた。いいんですか？
うむ。もうさあ、手分けして行動しよう。今から分かれて行動します。もショート現象を発見。発電機室で電気回路の補修作業を行う必要。回路は途中で切断されており、電力供給には修理が必要です。付近をチェック。発電機室を捜索。うん。レーザー起動計算中。密度高め、威力高め。防御バリアでレーザーは防御可能。コバルト3、ここのレーザー装置は危険レベルが高いです。ミアは警告します。あれは窃盗犯や周囲の変異生物の侵入を防ぐための装置だ。こっちはちょっとトラブルが発生した。そっちは任せた。基地端末機器のご利用ありがとうございます。ご希望の項目をお選びください。検索中。最新の3つのログ1、アクセス時刻0時、ログ2、アクセス時刻27000、ログ3、アクセス時刻86000。これより以前の訪問記録は削除。この操作には管理人の権限認証に失敗。基地端末機器のご利用ありがとうございます。検索中。システムメール。送信者キリオン同鉱石工場。この操作には管理人認証に失敗し。基地端末機器のご利用ありがとうございます。この操作には管理人認証に失敗しま。基地端末機器のご利用ありがとうございます。端末こっちは停止成功。ありがとう。少し待ってくれ。Ah, si, on a quand même le droit de la jouer. Je n'ai rien dit. Kitch, t'as un match qui qui n'a. Gorillon, erreur n'a pas fait si ma chita. Mae n'a son sagamen. Kitch, t'as un match qui qui n'a. Gorillon, erreur n'a pas fait si ma chita. Mae n'a son sagamen. Kitch, t'as un match qui qui n'a.ご利用エラーが発生しました。前の操作基地端末機器のエラーが発生しました。異常な操作を検知しました。最優先任務。このここまで苦労かけたな。大丈夫。想像は常に破壊を伴う。私はとっくに慣れている。ましてや機械は不滅だ。私がここにいる限り計算通り分解を防ぐ。そうくん走る。計算ミスだと。Pas ultra fan de son gameplay en vrai. Juste essayer le truc, attends. On peut plus par contre là-dessus. Ah, ça par contre, c'est le plus rigoleux.
Ouais. Bon, why not. Voilà, après avoir éteint tous les terminals, les trois se rentrent à nouveau. それにコアは傷つけていない。お前の腕なら修理できるはずさ。ありがとう。もう安全みたいですね。こっちの扉も開いた。あれは確かこの中の中の箱。なんでこんな並び方をしてるんだ。探してみるから。私も手伝います。Les ranger, d'accord. Anxious, c'est bien le premier jeu. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu des jeux des MMO où on entend sa propre voix. Oui, c'est vrai. Le personnage est doublé. Hein. C'est, on n'a pas un personnage muet, ça change. C'est quelque chose qui est un peu plus de l'arrivée. C'est un peu plus de l'arrivée. C'est un peu plus de l'arrivée. Enfin, j'ai trouvé. C'est ça? 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 私にとっては金で買えない貴重な宝だ。今機械はさらなる高級化、軽量化、効率化を追い求めている。しかしこのように構造が複雑かつ精巧で芸術性の高いもの、それこそが私の原点。新作に何が足りなかったのか分かった。さあ行こう。分かったよ。Bon, on n'a pas l'occasion de la tester assez longtemps pour savoir si elle est plaisante ou pas. Tu tues 5 pauvres mobs et voilà quoi. C'est difficile de se faire une opinion là-dessus. J'ai quand même amari kakara nakatta si. No hin kigen ni mo.はあ、納期ギリギリの仕事を放り出してまで。こんそうだ、大金をはたいてお前に仕事を頼んだやつをなめてるな。間に合えばいいことじゃないか。それにここから送り出す我が子にはまあいい、用事が済んだならお。じゃあまたな。おいルーニス。何？Ouais. Tu montes dans un robot. Ouais, les bras mécaniques, les bras mécaniques. Ah non, l'autre, ah, l'autre, celui avec les pattes et tout. Ouais. C'est un peu con, le machin est tout petit en fait, je sais pas comment tu fais pour rentrer dedans. Mm. Bon, il est pas pris de mémoire. C'est plutôt une sorte d'exo-armor. Ouais, mais. Quand j'en ressors, je fais sa taille. Ouais, ouais. Oh, je vais me rendre compte qu'ici j'ai un truc, je crois pas l'avoir fait. Enfin, je crois pas avoir récupéré ce machin jaune ici. Ah non, mais. Ah, quoique, peut-être que si. Bon, je verrai bien. Je sais plus si je vais débloquer celui-ci. Je sais plus si j'ai déjà eu sa récompense ou pas. A priori, non.
bon, ça me fera toujours un éculus noir en plus. C'est bien. Bon bah retour à Ikros. Oh la merde, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais me taper à la tour de Miam, pas suivre la quête que je suivais déjà, merci le jeu. Ah, c'est bien, ça vaut le coup de la faire, en plus ça donne un nucléus rouge, donc pour une future bannière, ça sera intéressant. Tu cherches pas à l'acheter au fait, comme perso? De quoi? Tu cherches pas à l'avoir en perso? J'en sais trop rien. J'en sais trop rien, disons que j'ai un King 2 étoiles, mais j'en sais trop rien. Je sais pas, je suis tellement focus sur le heal qu'en fait, en termes de build DPS, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Non, je crois que je vais faire comme tout le monde, enfin pour le truc le plus optique, quoi, opter pour un build glace, quoi. Une Sakifuya, un truc, une fridge, et puis, enfin pas une fridge ou autre, mais de toute façon j'ai aussi l'arc de... L'arc de glace en deux étoiles, quoi. Je me rappelle plus dans son nom. Tsubasa. Tsubasa, ouais. Tsubasa. Tsubasa, ouais, ok. Deva, tosai shiteiru subete no naiyou nitsuite, komaka... Ano, shoukai wa soko made de daijoubu desu. Wakarimashita. Kore ra no fuzokukin wa irai shita oboe ga nai no desu ga. Kore de ikken rakuchaku. Deva, kenpin shite kimasu. 間に合って本当に。うん。やはり芸術と結びつけるには無理があるな。機械をどう思うか、何を。道具だけとしてなら確かにそうだ。私もまだまだ努力が足りないということだな。T'as vu une chèvre? Hein? T'as vu une chèvre que tu dis soleil? Ah, it's alive. Ah, it's alive, pardon, j'avais compris soleil. Je viens de sauver Nemesis, enfin, en tout cas il est en train de se réveiller. Et vu ce qui est en train de se passer, je crois que c'est pas très normal. Holo. Bon, ça c'est fait du coup, on a récupéré la récompense. Bon, aller faire le rôle du truc noir, même si j'ai peu d'espoir que ça donne quelque chose d'intéressant, mais bon, on sait jamais, hein, sans malentendu, ça pourrait arriver. Bah non, c'est un paper. C'est pas quelque chose d'intéressant. C'est un truc qu'on a déjà eu 20 000 fois. Non, je pense que les roches, je les garderai essentiellement pour le perso-vent qu'ils introduiront et ça qui fouillera en fait. Après, j'avoue, c'est un peu un dilemme par moment, mais... Vu comment sont positionnées mes armes pour l'instant, c'est tellement le bordel et ça a été tellement le hasard que je peux presque partir dans n'importe quel sens en fait. Parce que en bref, sur mes armes DPS que j'ai chopées, j'ai deux étoiles sur l'arc flèche de vent glacé, et puis j'ai deux étoiles sur la faux du corbeau de King. J'ai deux étoiles sur Balmung de Fridge. D'ailleurs, dans l'absolu, j'ai mis deux étoiles aussi sur le chakram des mers de Shiro, donc tu vois. Hein. Mais en fait, dans les faits, il n'y a pas d'antagoniste en fait dans le jeu. Alors, Twitch est cassé. Attends deux secondes, je l'ai juste que Mordra me dit. Dans le second, Twitch est cassé, je peux pas lancer le live. La liaison entre OBS et Twitch fail du coup. Ah bah je suppose, oui, parce que je suis en train de faire un live, a priori ça doit fonctionner, j'imagine. Bah moi je te vois en live, Kenzal. Ah oui, bah, je me vois en live aussi, hein, j'ai l'écran à côté. Je suppose que ça doit être la connexion avec Twitch, je suppose. Ouais, c'était quoi ta question du coup? Ouais, dans le jeu en fait, il n'y a pas de réel méchant en fait.
Bah, pff, les héritiers d'Aïda, vaguement, mais bon, est-ce qu'ils sont méchants Pas vraiment, parce qu'on les aide. Oui et non, en fait. Le grand maître des trucs d'Aïda est un peu un enfoiré, donc. Mais bon, tu verras à la fin du scénario, pff, c'est un peu le méchant, mais bon, il est pas extrêmement présent, en fait. Pas extrêmement. C'est récent, d'accord, bah écoute, oui. Je suppose en tout cas que c'est l'authentification avec Twitch, parce que bah, dans les faits, vu que je suis en live, ben c'est que ça fonctionne à ce niveau-là. En tout cas, le live fonctionne, la connexion en live, ça c'est une autre histoire par contre. Ouais, non, j'en sais rien, je sais pas exactement ce que je pourrais faire comme build en fait, parce que dans un build feu, mettons que j'investirais dans le build feu, bah j'aurais King, mais bon, pour moi c'est un peu dual, un peu double par rapport à l'arme qui est proposée par Cobalt, parce que bon, c'est clairement une arme fracture. Bon, avec beaucoup de recharge par contre, ça c'est pas inintéressant, parce qu'en fait j'ai pas tellement l'impression qu'elle est seulement break pour break, mais surtout pour recharger en fait. C'est surtout pour lancer les capacités qu'elle est intéressante, donc ça c'est pas tout à fait neutre. Et si je devais opter pour une troisième pièce de ce type-là, bah le bouclier fournaise en fait, mais bon voilà quoi, c'est pas fou non plus quoi. C'est la seule arme que j'aurais en fait pour faire un build full feu quoi. Ouais, je sais pas trop. Hein. Alors que l'arme de glace, en fait j'ai déjà frigé en 2 étoiles, donc ça, il me resterait juste à monter la flèche de vent glacée, et là j'aurais déjà un build glace qui est déjà plus ou moins bien entamé quoi. En fait, c'est la glace actuellement qui me demanderait le moins d'investissement. Vu comment je suis parti. Sachant que je pourrais en plus de ça combiner ça avec mon arme Cocoriter pour éventuellement mettre un appoint à heal et avoir un peu de PV, donc. Jusqu'à la remplacer Cocoriter par Sakifuya, et puis voilà. Il me semble que par rapport à la façon dont je suis parti actuellement, c'est celui qui demanderait le moins d'investissement, quoi. Le plus probant, en fait. Alors, ça fait peut-être une trentaine de minutes. Sur certains lives, les abos et bytes ne marchaient pas. D'autres streamers n'arrivaient pas à lancer. Ouais, si tu étais déjà en live avant, ça pose pas trop de problème. Mais si tu veux lancer maintenant, c'est mort, on dirait. Ouais, bah écoute, ça va revenir, hein, c'est pas grave. C'est probablement un problème du service ou quoi que sais-je encore. Ou peut-être une attaque des DES, j'en sais rien. Hein. Peut-être quelqu'un qui se venge parce qu'ils ont arrêté la cotation 70-30. On va savoir. Je ne saurais pas te dire. C'est pas impossible, hein, ceci dit, parce que c'est vrai que Twitch a déjà été quelquefois un peu, comment dire, un peu énervant vis-à-vis de la communauté, j'ai envie de dire. Enfin, vis-à-vis de la communauté, surtout pas vis-à-vis de ses streamers. Bon, après, moi, je m'en fous, je suis un petit streamer, donc bon, je compte pas vraiment, mais... Clair que maintenant ils touchent quasiment plus rien les streamers. Bah 50-50 sur les gros streamers, je trouve pas ça très très correct, 70-30. Bah tu vois, les gros streamers, après tout, c'est eux qui ramènent le monde sur Twitch, quoi. C'est eux qui font le gros du boulot, qui font la grosse création de contenu, donc c'est normal qu'ils aient une part majoritaire, quoi. Je crois pas qu'héberger les vidéos et mettre en place l'infra coûte cher au point de leur reprendre, regrappiller sur un pourcentage, quoi. Surtout que bon, on parle des gros streamers avec leurs 70-30, mais il y a tout le reste qui est au contrat normal 50-50, quoi, tu vois. Je sais pas si t'avais vu, exemple, les rémunérations sur les pubs. Ouais. Si tu mets une pub toutes les heures, là, ou je sais plus combien. Ouais, et c'est récent, hein. C'est récent qu'ils ont fait ça. Maintenant, non, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, si tu mets genre 2 pubs toutes les heures. Ouais, je sais bien, la répartition change. Ouais, la répartition change si tu fais plus de pubs. Effectivement, ça j'avais remarqué, ils l'ont fait, c'est récent, hein, ça en fait c'est un truc, c'est une mise à jour d'il y a un mois, je crois, grand maximum. Mais c'est abusé quoi, parce que tu gagnes rien en fait. Alors Mordrana me dit erreur 500, internal serveur erreur. Bah ça dit rien du tout, genre d'erreur en fait, hein. Ça dit juste que le serveur a un problème, c'est tout. C'est l'erreur la plus vague que tu puisses avoir. Faut regarder sur les logs serveurs, mais en fait on s'en fout, c'est pas notre problème. Je fais ça assez au boulot. Faut encore, je suis en intégration, c'est pas tellement mon problème non plus. Mais ouais, sinon, ouais, pour revenir sur la conversation, ouais, je pense que la glace serait le plus OP pour moi. À vrai dire, je pourrais probablement déjà avoir un build relativement viable là maintenant en DPS avec
Avec mon 2 étoiles frig et mon 2 étoiles sur la flèche de vent glacé. La troisième pièce du coup bah Cocoriter pour essayer d'avoir un petit appoint. Bah, d'ailleurs je pense que Cocoriter n'est pas spécialement. Ouais, peut-être pas spécialement inintéressant pour l'aspect. Ouais, enfin, sans plus en fait, parce que la recharge de la flèche de vent glacé est déjà pas mal. Alors, c'est vraiment pour l'appoint heal un Cocoriter en vrai. À vrai dire, pour un build full DPS, elle est presque pas utile, quoi. Par contre, ouais, qu'est-ce qui manque là-dedans? Non, c'est vrai, en fait, il manque quand même un truc. Il manque la fracture si je fais ça. Il manquerait la fracture si je fais ça. Ouais, d'où ça qui fouillard, en fait, hein, avec la fracture. C'est pour ça. C'est le break shield qui, mais c'est le break shield, hein, qui manque dans l'histoire, ouais, bah, avec ses deux armes. C'est pas mal, ouais. Ouais, et puis le break shield aussi, hein. Pour le break shield, en fait, elle serait pas mal pour une spé full glass, quoi. Là, à l'instant T, vu qu'elle n'est pas disponible et qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire full glass, ben, en gros, faudrait une arme breaker, donc soit celle de King, soit, parce qu'elle est déjà pas mal montée chez moi, soit carrément la fournaise de Huma, quoi. Ben, a priori, en breaker, c'est quand même King qui est mieux, hein, à étoiler. Ah ouais, non, c'est vrai, l'armée montée, je suis con. Ouais, je suis con, effectivement, j'oubliais que l'armée montée. Ouais, non, a priori, celle-ci doit être mieux en capacité de base. Ouais. Faudrait peut-être d'ailleurs que je réinvestisse sur la flèche de vent glacé, mais je sais pas exactement ce qu'elle demande comme compo. Ouais. Ça pourrait être amusant de la jouer en vrai, dans mon build. Mais bon, pour l'instant, je vais garder mes compos pour monter mes armes de heal, parce que sinon je vais te larguer au heal, ça va me faire chier. Ouais, je sais que ça veut tout et rien dire, mais c'est tout ce qu'OBS me dit. Bon, on verra bien, je patiente et j'aviserai. Bah oui, là, tu peux pas faire grand-chose, hein. Tu travailles pas chez Twitch, enfin, je le saurais si tu travailles chez Twitch. Côté IT et serveur, je le saurais encore plus, je crois. Tu peux pas faire grand-chose à faire, t'as pas grand-chose à faire, hein. Faut attendre qu'ils interviennent, quoi, hein. C'est peut-être un de leurs services qui ne fonctionne plus, ou qui s'est cassé le museau, très probablement, même. Erreur 500, c'est quoi? C'est pas de réponse avec le serveur, je crois, ça? Non, même pas. Enfin, oui, c'est pas de réponse du serveur, mais ça te dit pas pourquoi, en fait. Ça te dit juste, c'est un problème avec le serveur, quoi. À vrai dire, c'est pas que t'as pas de réponse du serveur, parce que t'as une erreur 500, donc t'as une réponse. Ouais, erreur 500, c'est ça. C'est bêtement, il y a un problème sur le serveur. Le serveur est crashé, mais ça te dit pas pourquoi. D'accord, bon, je lis pas ta phrase, hein. Par contre, tu fais ce que tu veux, mais je lis pas cette phrase. Bah alors, je dis que je lis pas, donc t'as qu'à aller la lire si tu veux le savoir. Il a dit qu'il allait s'occuper le temps qu'il répare, ça te va ça? Ensuite, j'ai vu qu'ils ont rencontré un problème avec le broadcasting qu'ils sont en train de fixer. Bah ouais, ouais effectivement, bah, ils ne peuvent pas dire grand-chose de plus. Hein. En vrai, ils peuvent pas dire grand-chose de plus. Bon, par contre, bah, moi, je vais rejoindre la liste des nombreux gens qui ne streament plus pour la journée. Mais volontairement, moi, par contre, ça serait la différence. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire dans la vidéo, pour l'instant, en tout cas. Puis surtout j'ai plus l'endurance, c'est plus grand chose à faire pour le coup. S'il y avait eu un level demain, j'aurais fait l'effort de me maxer, mais là c'est pas nécessaire vu qu'en gros le level ne sortira que vendredi, on est un peu tranquille. Hein. En gros demain les journaux c'est bon, je suis maxé. Donc du coup bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Bah, la prochaine vidéo, a priori, ça sera demain. Je reprendrai bah, ici où on s'est arrêté. Après, comme d'hab, j'aurais probablement fait les journées entre-temps à midi, parce que j'aime bien passer mon temps à midi à faire mes journées tranquilles. Surtout que ça va relativement vite. Bah, voilà, on verra un peu comment ça se présente demain. Est-ce qu'il y aura des suites aux événements de la randonnée de je sais plus qui, là. Je n'en sais rien.
La randonnée de Vera, c'est vrai. Là, vous voyez, c'est vrai que c'est un peu le truc qui m'a surpris dans la vidéo d'aujourd'hui, enfin dans ma session de jeu d'aujourd'hui, je l'entends. Le truc qui m'a surpris, effectivement, c'est qu'on n'ait pas d'autres quêtes qui soient débloquées dans la phase 1, et que la phase 1 se résume en gros à flinguer 5e et ouvrir 3 coffres. C'est pas grand-chose pour un event. Après, apparemment, le reste, c'est surtout farmer comme un teubé ici pour avoir le truc des yens, et en fait, essayer d'avoir des marques, quoi. Mais bon, c'est du gros farm, quoi, du coup. C'est de l'énorme farm, quoi. Par contre, tu vois, le truc qui est un peu naze dans le avec les orbes, tu sais, quand t'as un perso que t'as déjà maxé, ouais. Exemple, si c'est un violet, bah ça te donne juste un token d'or noir, là. Ouais. Et je trouve ça un peu pauvre, sachant que t'aimerais peut-être avoir les autres violets, quoi. Oui. C'est vrai, mais bon. Bah, à vrai dire, les violets, c'est juste de la point pour le début du jeu. Hein. Après, c'est comme je dis, c'est handicapant, en fait, le violet, parce que la capacité à monter en FC, en niveau d'équipement du violet, est pas folle du tout. Donc le violet, c'est pas une finalité en soi, hein. C'est clairement un truc pour te donner un petit truc d'appoint pour jouer au début, mais très vite, il faut investir dans du jeu, non ? Au minimum une qui est vraiment bien et que tu vois pour un billet long terme, quoi, en gros. Mais c'est clair qu'au début, le violet 6 étoiles, c'est mieux que du jaune pas monté. Ça, voilà. Mais ça devient vite moins vrai. Enfin bref, comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bonne soirée à toi, du coup. Il me répond plus. Il me répond plus. Oui, bah oui, à toi. Je parlais à Mandra. Non. Ouais, bah, merci, bonne soirée à toi aussi. So, bon jeu, et à demain du coup. À demain. Voilà, donc comme d'habitude, bah, je vais retourner sur mon écran d'accueil. Hop. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que le jeu vous intéresse toujours assez bien. Hein. Moi, je le trouve toujours aussi sympa, hein, même si je trouve que, bon, économiquement, il reste très agressif de mon point de vue. Après, je sais, il y a un très long débat qui dit que Genshin Impact est plus cher, etc. Bref. C'est pas la question de savoir s'il y a pire. La question est de savoir si moi je le trouve cher ou pas, et personnellement, je le trouve cher. Mais si on me dit que Genshin Impact est pire, bah j'irai pas chez Genshin Impact non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, par rapport à Genshin Impact, par contre, je le préfère parce que je le trouve un peu plus orienté multijoueur, un peu plus proche d'un MMO, même si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'attends énormément Blue Protocol, et j'espère de tout cœur que le modèle économique de Blue Protocol sera plus intéressant que celui-ci, moins cher, et qu'en gros, il faudrait une branlée à toute la concurrence, tout très tranquille, mais bon, voilà, pour l'instant, ça reste spéculé, puisque Blue Protocol, ce n'est un peu qu'un rêve, hein. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner, et à part les Japonais, il n'y a pas grand monde qui a mis les mains dessus. Mais bon, en tout cas, j'espère toujours que Blue Protocol sera vraiment un excellent jeu, et qu'il va tout dépoter, quoi. Depuis tant que je le suis. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon jeu à ceux qui continuent de jouer, bon appétit à ceux qui, comme moi, vont aller manger, je vous fais des bisous, à bientôt, et prenez soin de vous, salut.